Mes chers TikTokers, TikTokeuses, Instagrammeurs, Instagrammeuses, aujourd'hui nous sommes aux soirées Halloween à Montreux, parc du Château des Amandes du 22 au 31 octobre. Il n'y a même pas peur. Je pense que c'est pour les enfants, mais j'ai fait mon petit costume aussi, Scream. Voici des citrouilles, des petites citrouilles en dessin. Pas mal, sympa. Là vous avez un mort vivant, un zombie. Oh voyons, ouais, il a l'air en colère. Non, ça se trouve il rigole. Non, il a l'air en colère quand même, hein. Ouais, c'est un zombie en même temps. Bon, bref, l'entrée du village est là. Là on va voir des monstres, un squelette man. J'appelle squelette man parce que bon, c'est quand même un mort vivant, sauf que un squelette, c'est pour ça que j'appelle squelette man. Et après vous avez le clown, comme dans le ça, le film d'horreur ça, bah il y a ce clown là, voilà. Il fait peur, mais s'il fait plus peur que moi, peut-être. Je sais pas, il faut comparer. Hein. On va comparer tout de suite. Voilà. Entre moi et lui. C'est qui vous avez plus peur, moi ou lui? Hein? Il a du mal à respirer, on se masse, c'est un truc de ouf. Bon, voilà. Ouais, de toute façon, le masque, il était pas très cher, il est à 50 centimes. Voilà. C'est la fête de l'automne. La fête de l'automne à Montreux. Bien sûr, nous sommes lundi 31 octobre et nous fêtons Halloween. Lorsque les morts vivants sortent de terre, les hommes courent pour éviter de se faire chasser aussi par ces morts vivants. Voici des squelettes qui font de la balançoire. Voilà. C'est des petits squelettes qui font de la balançoire. Et là, on a un professeur et son élève. Qui sont deux squelettes, un professeur et son élève, sont restés trop longtemps au tableau pour apprendre comment se manifestent ces fantômes. Voilà, c'est incroyable, vraiment incroyable. Le prof a l'air décidé à expliquer à son hôte comment on vit quand on est un squelette. Voilà. C'est un exercice pour les enfants, ce qui est dommage parce que l'année dernière que j'ai mis c'était à peu près ça aussi. C'est dommage qu'il n'y a pas aussi pour les adultes. Bon. Ben, moi je suis resté un grand enfant, mais quand même, je pensais qu'il y avait aussi pour les adultes. J'espère que je fais pas peur aux enfants parce que sinon je m'enlève tout de suite. Hein. C'est juste pour s'amuser, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas faire peur aux enfants, évidemment. Je suis juste venu comme ça, juste pour me divertir. Et je ne vais pas plus loin. Nous respectons ce moment qui doit être pour les enfants et pour tout le monde agréable. Merci. Je fais peur, j'aime pas trop me faire peur comme ça. C'est vrai que je fais peur. Ah, si je trouvais un autre passe, mais bon, voilà. Je trouvais celui-ci, et voilà. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Ah ouais, c'est pas fou, là. Moi, j'ai trop peur, si j'ai trop peur, hein. Vous me le dites, les amis, hein. Ouais, ça va être, ça va rester une fête familiale. Non, moi, je suis seul, mais bon. Ouais, j'ai pas encore des enfants. Comme le disait une collègue, je suis encore un grand enfant. Je suis resté. Voilà.
Excusez-moi.